voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autre terme, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre, et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Je dirais par exemple d'une autoroute que là vous enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avis, société de contrôle et comme une société de discipline. Alors pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que l'information, mettons que ce soit ça. L'information, c'est le système contrôlé des mots d'ordre. Des mots d'ordre qui ont cours dans une société donnée. Qu'est-ce que l'art peut avoir à faire avec ça? Qu'est-ce que l'œuvre d'art? Vous me direz, allez, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors parlons pas d'œuvre d'art. Parlons, disons au moins qu'il y a de la contre-information. La contre-information ne devient effectivement efficace que quand elle est. Et elle l'est par nature, donc c'est pas grave. Que quand elle est ou devient acte de résistance. Et l'acte de résistance, lui, n'est ni information, ni contre-information. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. Aucun. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance? Ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. Rappelez-vous, l'acte de parole de Bach, c'est quoi? C'est sa musique. C'est sa musique qui est acte de résistance. Acte de résistance contre quoi? C'est pas acte de résistance abstraite. C'est acte de résistance contre et de lutte active
contre la répartition du profane et du sacré. Et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri. Il y a un cri de Bach. Dehors. Allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. L'acte de résistance, il me semble, à deux faces. Il est humain et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Une voix parle de quelque chose. En même temps, on nous fait voir autre chose. Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. Si vous préférez, on peut dire, alors en termes plus... La parole s'élève dans l'air, en même temps que la terre qu'on voit, elle, s'enfonce de plus en plus. Ou plutôt, en même temps que ce dont cette parole qui s'élève dans l'air nous parlait, cela dont elle nous parlait, s'enfonce sous la terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'il n'y a que le cinéma qui puisse faire ça. Je ne dis pas qu'il doit le faire, hein. Qu'il l'ait fait, mettons, deux ou trois fois. Je peux dire simplement, c'était de grands cinéastes qui ont eu cette idée. Ça, c'est une idée cinématographique. Je dis c'est prodigieux parce que ça assure, au niveau du cinéma, une véritable transformation des éléments. Un cycle des grands éléments qui fait que, du coup, le cinéma fait un grand écho avec, je sais pas, avec une physique qualitative des éléments. L'air, la terre et l'eau, le feu, une grande circulation des éléments dans le cinéma. La voix s'élève en même temps que ce dont parle la voix s'enfouit sous la terre. Il y a une sorte de beauté où, en effet, il y a perpétuellement disjonction de ce qu'on voit, puisque ce qu'on voit, c'est uniquement la terre déserte. Mais cette terre déserte, elle est comme lourde de ce qu'il y a en dessous, et vous me direz, mais ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'on en sait ? Ben, c'est justement ce dont la voix nous parle. Et c'est comme si la terre, là, se gondolait de ce que la voix nous dit et qui vient prendre place sous la terre, à son heure et en son lieu. La voix s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Elle s'élève et encore une fois, ce dont elle nous parle passe sous la terre nue, sous la terre déserte que l'image visuelle était en train de nous montrer. Image visuelle qui n'avait aucun rapport avec l'image sonore, ou qui n'avait aucun rapport direct avec l'image sonore. Or, quel est cet acte de parole qui s'élève dans l'air pendant que son objet passe sous la terre ? Résistance. Acte de résistance.
Mm-hmm.